Salut les filles, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo opening. Là, on est sur le petit compte et je suis en vacances. C'est pour ça que derrière, c'est un peu différent que d'habitude. Je fais une petite vidéo opening, c'est sur le tout petit compte. Qu'est-ce qu'on a à ouvrir? Il y a plein de petits trucs à ouvrir, du 5, il n'y a pas de 6. Donc, qu'est-ce qu'on a? Non, les pierres, j'en ai pas spécialement besoin. On va les voir après. Je crois que j'en ai déjà pas mal d'avance. Un petit cristal. R4. R4 mutante. Magnéto, peut-être. Magnéto, peut-être, pourrait être pas mal. Mais à voir quand. Faut que je me lance sur la V2. XL, je sais plus, je crois que c'est la V2. Faut que je me lance sur la XL, la V2, et je crois qu'elle donne des 2015, donc peut-être que Magneto sera avant 2015 mutante. Peut-être. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ouvrir? Est-ce qu'on a des trucs sympathiques ou pas? Alors là, il y a pas mal de T5C, mais je vais pas l'ouvrir maintenant. Je profite en fait qu'il nous donne plein de récompenses d'objets, tout ça. Là, je file sur mon. J'avance sur mon 6 points. J'ai fini le 6... premier passage 6.2. Voilà. Donc ça a plutôt bien avancé. Là, non, général, c'est là. Ouais, sur le 6.2, j'ai vraiment bien avancé. Donc j'ai fait le champion. Il m'a coûté très cher. Alors, il me reste, je crois, deux réas d'équipe. Il doit me rester 4 ou 5 réa 40 alors que j'étais à 10, 15, 14 ou 15 je crois quand on n'a pas le saut. Là, des réa 20, j'en ai plus du tout. Il m'a ruiné. Il m'a ruiné le champion. Des problèmes de Dext, j'ai pleuré. Il y a un moment en fait je me suis énervé, j'ai quitté. Je suis revenu une heure après. Et là, d'un coup, les Dext marchaient très bien. Je me suis dit, bon, c'est des salauds. C'est des gros salauds. J'ai mis un paquet de réa avant là. Mais ça va, c'était des réels que j'avais. Ça, c'est de la merde. L'éveil de Magneto, je l'aurais pris quand même. Ça, c'est pourri. Ça, c'est pourri, c'est nul. J'aime mieux, ça charge encore à côté. Je sais pas pourquoi. Mais ça charge. Là. On va aller voir. Et sur ce petit compte, il faut que j'évolue un peu. Donc, je vais. Après ça, après ces deux-là, je vais prendre 10 cristaux chevaliers. Voilà. J'ai les eu pour. J'en gaspille pas tant que ça. Dans les quêtes là que je suis en train de faire en ce moment. Donc ça va. Ça va. Je vais pouvoir en prendre 10. Et... Ah, ça aussi c'est bof. Il est devenu cool, mais je vais pas l'utiliser. J'ai déjà Spider-Ham et la guêpe. Donc voilà. J'aurai fantôme. Pourquoi pas? Ça ira en synergie. Bon, ça fait du nouveau. Ça fait pas de fragments. Pas d'iso. Zut. Zut. Je prends cela. Oh. 13. 13, 13, 13, 13, 13, 13. Allez, 14, 15. On va arrondir à 15. Et voilà. On pop les 10 premiers ou les 10 derniers? Allez, je vais le faire dérouler. On verra comment ça se passe au déroulage. Oh, beaucoup de 6 dès le début là. Nous font tourner comme ça, on voit passer plein de 6. On est là, ouais! Nous, on aura un 3. C'est pourrable. Voilà, attention. Un 3. On le sait, de toute façon. Non, je voudrais bien éveiller. Des éveils de 5 ou 6, ce serait pas mal. Un nouveau 6, je prends. Clairement, sur ce compte-là, je prends clairement. Il y en avait 4 ou 5 d'affilée là. Pour regarder que des 4, et bon, ça va s'arrêter sur un 3. Mangog, à nouveau. Ok. Pourquoi pas. Bien sûr, il y a une offre, qu'on s'en fout. C'est fou comme au début. Il y a vraiment beaucoup de 5 et 6. C'est un truc de fou. Les gros. Beaucoup. Il n'y a pas de 3, hein. Allez, mets plein de 3, je clique. Alors on voit passer. Ah bien sûr, on n'en voit pas passer un seul 3. Et là au moment où ça. Ah oui! Oh ça j'aime bien ça. Oh,
Ça, c'est pas mal du tout, même. Je vous cache pas que la femme invisible en 6 à côté, j'aurais pris. Mais ça c'est bien, je vais pouvoir choisir, viser de l'ISO ou un gros monstre, un nouveau, vraiment, clairement un nouveau monstre. Non, vas-y, que du 3. Je pense que je vais pop les 10 derniers. Vraiment, parce que. Un 6 Nexus, oh, ce serait monstrueux. Après un 5 Nexus, un petit 6, allez. Un appui à Popo en 4, c'est. Ah, un 4 quand même. Un nouveau. Bon, pas d'ISO, mais bon. On prend. Allez, les 10 derniers. Voyons voir. Qu'est-ce qui va apparaître en premier? Ouh, du 4. Beaucoup de 4. Alors là, ça va me donner de l'ISO. Là, c'est vraiment pas mal. Oh, vraiment beaucoup de 4 hein, ce coup-ci. Tout compte fait en 4, ça en fait quoi? 1, donc 2, 3, 4, 5, 6. 6 4 étoiles, dont 3 éveils, c'est bien. Ça fait de l'ISO. Un peu en plus dans toutes les classes. Du mutant, mystique, tech. Bon, c'est pas mal. Ça va. Ça va, ça va. Surtout. Le 5 Nexus, ça me donne quand même un 5, mais sur des possibilités d'avoir des 5 et 6 sur 15, 0, enfin un 5 Nexus, et pas de 6. Voilà, le Nexus est plus rare que les 6, mais j'ai quand même mieux le Nexus. Mais en soi, ça fait un seul 5 étoiles, quoi. Voilà, sur 15. Sur 15, donc en soi, c'est quand même bizarre. Mais bon, je le prends quand même, le 5 Nexus. Je suis très content. Très très content. On va aller l'ouvrir tout de suite. Où est-ce qu'il est? Là. Allez, allez, soit un bon éveil, Spider-Ham, soit un monstre. Non. 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 Ouh, il y a un monstre. Non. Celui qui va me dire Miss Hulk, c'est énormissime. Non, c'est bon. Ça va. Ça va. On l'utilise que quand on en a besoin. Sinon, allez, c'est utilisable nulle part, sauf. Spécifiquement, mais il y a, et en plus, il n'y a pas que elle qui fait ça. C'est maintenant que je m'en suis jamais servi. Non, mais non. Alors, on réfléchit. On avait dit soit un éveil pour l'ISO, un bon éveil, bon, là, soit un très bon nouveau. Ok, j'aime bien, et il est pas mal, mais au même niveau que Miss Hulk, ça reste pas monstrueux. Et Massacre, qui est devenu pas mal, mais j'en ferai rien sur ce compte-là. Rien du tout, j'ai Mollman et Écuyurette. Massacre me servirait à rien du tout et j'ai pas Domino et Redul. Alors, est-ce qu'un nouveau ou est-ce qu'on va chercher de l'ISO? Science. Je suis en train de penser à ma tête, j'ai Spider-Ham qui est pas encore R5 qui est à fond, donc je vais prendre l'ISO Science. Parce que tout à l'heure on a eu. Ouais, on a eu Tech, Tech, Mutante et Mystique sur les 4 étoiles. Je prends le Science. Ça me fera pour mon prochain gain de niveau, qui sera pas mal. Bon. En soi, ça c'est un tirage un peu bof-bof quand même. Hein. Oh, ça a été dur. Dur, mais bon. On l'a fait. C'est fait. Où est-ce qu'on en est là? Peut pas ouvrir encore de nouveau. Rien du tout. Et là derrière, on n'est pas encore là. Ok, très bien. On va aller voir les champions. J'ai Omega qui est enfin maxé. Donc c'est bien. Falcon sera le prochain. Voilà, j'ai fait d'abord Écuyurette, mais Falcon sera après. Écuyurette et R5, Star-Lord aussi, Spider-Ham et la Guêpe sur R5, et Docteur Voodoo. Je vais mettre que les 5, ça on les verra mieux. Donc voilà, la première ligne est R5. Corvus va suivre, Dragonman suivra. Nick Fury va suivre, mais Mollman aussi. Vous voyez, il y avait du pas mal. C'est pour ça que Massacre ou Hawkeye ne servait pas. Il y a même Elsa. Rien qu'en Virtuose, j'ai Elsa, Mollman, Nick Fury, et en 6, il y avait Falcon. Ah, up, donc beaucoup, beaucoup de trucs. Là, en tech, ça va être Guillotine. Je vais up Guillotine. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qu'on a chopé?
Non, mais c'est bien, ce l'ISO. On a eu de l'ISO Tech pour finir Star-Lord. On a eu de l'ISO Science pour Spider-Ham et Mystique pour Docteur Voodoo. Et on avait eu du mutant. Alors, un mutant, je ne suis pas très riche. Je ne suis pas très riche en énorme mutant. Je crois que j'avais eu Magneto, quand même. Oui, Magneto Colossus. C'est deux pas mal, déjà. Je vais up Magneto. Quand même, me passer mon ISO mutant sur Magneto, clairement. Clairement, clairement. Très bon choix, on sait tous Magneto ce qu'il sait faire. Donc ça va être pas mal. J'ai Archangel qui est là, mais ça sera Magneto en priorité. Le rework de Bishop, et il l'a rendu pas mal, mais il n'est pas meilleur que Magneto. Pas à mes yeux. Hein. Certains me diront peut-être le contraire, mais sûrement pas à mes yeux. Donc voilà. Bon bah voilà. Voilà où on en est. Ce petit compte, il avance clairement. Sympathiquement, il me reste à peu près 2000 U quand même, là encore sur le compte. En objet, où j'en suis dans les réas, ça c'est l'Alliance. Je vais aller en farmer encore un peu. Oh oui, j'ai pas mal de gemmes quand même. Pas mal de gemmes. Dans les réas, là, il me reste. Ah non, il reste 12 comme ça. C'est quoi ça? C'est. Ah ça c'est 20%. Ah non, putain, je croyais que j'avais tout passé. Alors j'ai passé quoi? C'est dans les trucs d'équipe? Allez, dans les trucs d'équipe 2, 2 et 3. Moi ce qu'il me reste. Alors je vais tenter le 6.3, mais je vais finir, je pense, de maxer mes persos au prochain gain niveau. Et j'irai après. Des gemmes, j'en ai pas mal. Comme ça, c'est quoi? Des mutants. Bah tu comptes fait, des R3 mutants. Je vais me pencher dessus pas mal. Une R4, c'est pas. Alors, R4 comme ça, c'est pas du 2015, donc je ne la donnerai pas à Magneto. Un Popo, Apocalypse, d'autres, je sais pas lesquels, on verra. Et celle-ci, bah. Ah oui, j'ai Corvus, clairement, pour le moment, sur ce compte-là. Mais je sais pas, je sais pas du tout. J'aimerais, hop, différent Corvus, j'ai déjà R5 sur l'autre compte. Fiché de le redonner à lui, là-dessus. Voilà. On verra bien, on verra bien, on verra bien. On verra bien. J'ai une gemme d'éveil en plus là. Utilisée. Non, je veux bien Profix. Je voudrais vraiment Profix sur ce compte-là. Parce que je ne l'ai pas sur l'autre. Tout le monde en parle en bien. Moi, j'ai pas eu la hype de fou. Parce que tout le monde en parle, mais personne ne le joue. Voilà. Ou. Exceptionnellement, ou sur des trucs très spécifiques, mais un endroit où quelqu'un va prendre Profix, moi le premier, comme je l'ai pas, je prendrai autre chose, il y aura d'autres solutions. Donc, j'ai pas encore cette hype là. Tout le monde dit, ah, mais tu te rends compte, il dit ouf, tout, ouais, faut faire 3 ou 4 combats, ça le rend monstrueux. J'adore les persos un peu comme ça, mais dans ce cas, j'ai Egon, qui le fera sûrement en mieux, qui est immu à tout. Donc voilà. Voilà. En fait, tout ce que. Pour le moment, ce que moi on m'a dit sur Profix, ça m'a pas. Il doit avoir un potentiel de fou, je l'admets, j'ai vu 2-3 vidéos qui sont ouf, mais ça me hype pas. Donc clairement, c'est pour ça que j'aimerais l'avoir là et le jouer ici, ce serait vraiment top. Je me suis mis à jouer Curette là-dessus, elle est monstrueuse, je kiffe, elle est passée R5, j'ai pas hésité. Hein. Ah ouais, fallait mettre des R5, Curette, et voilà. Donc je l'ai mis, je lui ai même mis des pierres, je lui ai augmenté sa compétence, parce que j'avais des pierres virtuoses, j'en avais pas mal, oui, il me reste même encore 22, donc je crois que lui donnant les 22 qu'il y a, ça la mettrait à 200, mais pas tout de suite, ça me servira à rien. Mollman éveillé, on sait que c'est pas mal, donc je vais voir mes prochains up, si je fais Mollman ou Nick Fury ou Elsa, à voir. À voir, à voir. J'aimerais éveiller Spider-Ham et lui mettre toutes les pierres. Donc là, les pierres science attendent clairement, clairement Spider-Ham. Les pierres mutantes vont attendre un Profix ou un Apopo. Voilà. Même pas si j'éveille Omega. Non, Magneto n'a pas besoin. Archangel, non. Pff. Clairement, donc voilà. Et Cosmic, bah, on attend. J'ai Corvus parce que je l'ai sur l'autre et je sais qu'il est top. Donc voilà. Mais bon. Bon les filles,
Moi, je vous embrasse fort, je vous dis bisous, à plus plus, et bonnes vacances à ceux qui sont comme moi en vacances. Oh, salut, salut, salut.